Et Lily Rose, quoi? Ça fait plusieurs mois là qu'on n'a pas entendu parler de notre demi-sœur là. Comment elle s'appelle déjà? Clara. Clara, ouais, c'est ça. T'as pas de nouvelles d'elle? Bah non. Ouais, bah moi, il y a quelques mois, elle m'avait dit un truc. Je crois que bientôt, je vais être virée de chez moi parce que j'ai plus envie de payer, etc. Bah c'est bon, si elle nous dit rien, c'est qu'il se passe rien. Ouais, bah écoute, pas de nouvelles, bonne nouvelle. À mon avis, elle doit être tranquillement en train de partir en vacances. Ouais, elle pense plus à nous, elle nous a oubliés. Ah bah heureusement, parce que franchement, elle était super énervée. Tu te rappelles de l'époque où elle voulait devenir une star, là, où elle faisait des musiques trop bizarres? Oh, c'était n'importe quoi. Quelqu'un qui frappe à la porte. J'espère que c'est pas encore un abonné ou quelqu'un de bizarre qui va rentrer chez nous. Bah écoute, va voir parce que moi... Reste là. Oui. Oh, c'est bizarre ça encore, j'en ai marre, ça arrête pas de frapper ici. Moi aussi j'en ai marre. S'il vous plaît. Mais qui c'est encore ça? C'est pas possible. J'espère que c'est pas encore quelqu'un de bizarre qui veut rentrer chez nous. Mais cette voix me dit quelque chose. Mais pourquoi ils m'ouvrent pas? Je suis leur demi-sœur quand même, moi j'ai nulle part où aller. Oh non, j'ai l'impression que c'est notre demi-sœur. Oh, mais oui, c'est vrai. Mais oui, salut, vas-y, rentre vite. J'ai une mauvaise nouvelle. Comment ça, une mauvaise nouvelle? On m'a viré de chez moi, je suis à la rue, faut absolument que tu m'héberges. T'as viré de chez toi? Oui, oui. Mais c'est pas possible. Je sais pas où dormir. Ah non, mais je savais pas que t'étais viré de chez toi. Dis-moi que t'as une solution. Ah bah non, j'ai pas vraiment de solution. Je vois que t'as pris ta valise, tu pars en vacances, c'est ça, que tu veux me dire? Je veux dormir chez toi. Tu veux dormir chez moi? Oui. Ok, bon, attends un peu devant, vas-y. T'es sûr? Oui, oui, t'inquiète. Tu vas pas me mettre à la gueule encore une fois? T'inquiète pas. T'es sûr? Non, non, t'inquiète pas. C'est vrai, j'avais totalement oublié. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'elle a arrêté de payer sa maison. Du coup, ils ont dû la mettre dehors. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tant pis. J'ai pas le choix. Je peux pas laisser ma sœur à la rue comme ça. Je vais devoir le dire à Lily Rose. J'espère qu'ils vont pas m'oublier. Lily Rose! Quoi? On a un problème! Quoi? Vas-y, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a un très très gros problème. Quoi? Tu te souviens, là, il y a 30 secondes, je t'ai dit que la demi-sœur, elle avait arrêté de payer sa maison, là. Ouais. Elle s'est fait virer. Et alors? Bah, et alors, elle est ici, elle est devant la porte. Quoi? Je lui ai dit d'attendre devant. Non, c'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Viens, on la fait rentrer et on essaye de discuter non, avec écoute, elle. Écoute, j'ai une proposition, t'inquiète pas. Quoi? Écoute, tu vas pas te fâcher. Quoi? Attends, t'inquiète pas, c'est pour ça que je t'ai demandé de te lever. Bon, il y a que deux pièces où il y a un lit dans cette maison, d'accord? Oui. Il y a ma chambre et ta chambre. Du coup, on va la mettre dans ta chambre. Non, il faut que tu fasses tes affaires. On peut pas laisser quelqu'un de la famille dehors comme ça. C'est une blague. Donc écoute. Mais on la met sur le canapé. Je te laisse une minute. Je vais lui ouvrir, tu fais tes affaires et on lui dit qu'on lui a préparé une chambre. Non. Allez. Non, mais non, n'importe quoi. Ah bah sinon j'enlève moi-même toute la déco. Non. Laisse. Non, mais arrête. Mais laisse-moi tranquille, moi. Mais mets-la dans ta chambre. Mais je peux pas la mettre dans ma chambre, je vais dormir où? Bah dans le canapé. Elle peut dormir dans le canapé. Mais toi t'es plus petite, tu peux dormir dans le canapé. Sur le canapé. Allez. Bouge, va l'accueillir là. Oui bah t'inquiète pas, je vais bien l'accueillir. Et tant pis, toute ta déco, toute la déco de ta chambre, ça sera à elle maintenant. J'en ai marre. Oui, ça doit être elle, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle attend. Allez vite, rentre. J'ai cru que vous alliez m'abandonner. Non, bah écoute, on va pas t'abandonner, t'es quelqu'un de la famille maintenant. J'espère bien, non mais tu sais, on peut pas abandonner les gens comme ça, c'est pas... Non mais en plus, c'est vrai que tu m'avais parlé de tes problèmes avec ta maison. Ça me rassure. Donc t'inquiète pas, bon. Je dors où alors? Bah écoute, viens. En fait, t'as de la chance parce que Lily Rose, ça fait plusieurs semaines qu'elle me dit « Oh, j'aimerais bien dormir sur le canapé, j'aimerais bien essayer parce qu'il a l'air super confortable. » Donc en fait, elle a accepté tout de suite de te donner sa chambre. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Ah vas-y, c'est par là, regarde. Pas... Oh, en plus, c'est ouvert. Là. Tout... là, elle va t'accueillir, mais comme une reine. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, Clara? Ah, qu'est-ce que... Non, mais Clara, tu déposeras jamais tes affaires dans ma chambre. Non, mais... Tu vas dormir sur le canapé. Elle fait une blague, non. Je fais pas de blague. Lily Rose. Enfin, Lily. Non, je suis à la rue. Mais à la rue, ok.
Ok, attends. Mais là, tu peux aller dormir sur le canapé. Lily Rose te fait un prank. Y a pas de prank. Non, non, en fait, elle aime beaucoup faire des pranks. Donc non, elle, en fait, avant que t'arrives, elle me dit. J'ai vraiment. Allez, Lily Rose, Lily Rose. Non, non, va dans le canapé, Clara. Viens par ici, viens par ici. Mais non, la chambre, elle est bien, regarde, elle est grande, j'adore. Merci. Je vais me venger. Ah. Oh, mais, non, mais elle aime toujours, elle aime toujours autant rigoler. Alors, ouais. Ça, depuis, elle a pas changé, depuis hein. Des mois qu'on t'a pas vu. Non, mais je rêve. Il lui a donné ma chambre. Bah, moi, pour me venger, je vais aller mettre sa valise quelque part d'autre. Où est-ce que je pourrais la mettre? Dehors, elle la trouvera jamais. Bon, allez, hop, 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 hop. Oh, j'ai une meilleure idée. Elle est très bonne actrice. Elle a accepté directement. J'adore cette chambre, elle me correspond. Ouais, super. Bon, bah tu peux mettre tes affaires. Bon, la valise, bah, oui. Je pense que. Je vais m'installer tranquille. La valise, elle est derrière. Elle est derrière. Parce que c'est les seules affaires qui me restent de toute ma maison. Hein. Hop, bien loin. Allez, hein. Salut, et reviens jamais. Il manque plus qu'à appeler la police. Non, mais. Les affaires les plus précieuses. Elle est derrière la porte, t'inquiète okay, pas. Trop bien. Tu peux te. Bah, fais comme. Bah oui, hein, je veux aller m'installer. Fais comme chez toi. Hein, dans le petit lit. Ouais, 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 bah tu peux faire une petite sieste. Ah, merci beaucoup de m'accueillir. Bisous. Punaise, où est-ce qu'elle a mis la valise? Allô? Oui, oui. En fait, c'est pour vous prévenir. Vous voyez Clara? Oui, c'est ça, celle qui paye pas sa maison. Bah, en fait, elle est chez moi. Et... Ah, je vais me reposer là. Il a l'air super confortable ce lit. Et en fait on veut pas du tout d'elle, carrément elle a pris ma chambre et tout. Et dans sa valise il y a des trucs vraiment bizarres. Et elle veut vraiment nous embêter quoi. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez venir. Bah, la police. Allô? Oui, allô madame. Allô, oui. On vous a vu là, vous avez volé quelque chose dans la rue. Moi? Non, j'ai rien volé du tout. Du si. Tout, non. On vous a vu. Je n'ai rien volé, je ne suis pas une voleuse. Vous vous trompez de numéro, monsieur, je pense. On va venir vous chercher, on sait où vous êtes. Non, non, en plus, je suis plus chez moi. Vous savez pas où je suis, hein, pas du tout. On a trouvé votre valise, on sait où vous êtes. Quoi, ma valise, vous l'avez trouvée? Oui, elle était dehors. Quoi, dehors? Ma valise? Oh, comment ça? Lily Rose! Lily Rose! Quoi? T'es sérieuse? T'as volé ma valise et t'as appelé la police? Bah toi, t'as volé ma chambre. Mais c'est ton frère, il me l'a donné. Je suis à la rue, tu pouvais faire ça pour moi et t'as appelé la police. Bah tu pouvais dormir dans le canapé, bah non. On pouvait dormir à deux dans ton lit. Non. Bah si. Bah non. Si, au lieu de voler ma valise et d'appeler la police. Écoute, apparemment on rigole bien ensemble hein. Bah oui, on rigole bien ensemble. On fait la paix. Ok, mais seulement si je peux dormir avec toi. Non, tu vas dormir dans le S'il canapé te plaît. Non. Pour une nuit. Ok. Oui, bon, allez. Oui. Allez, on y va.